Seni açıyorum. Kaynağı ben affemezsin. Fasa anonsun. Aha, Büdü bayu ya büdü dosu. Sen titin afem akşunu an fasa yoruyan grata. An büdü le göf pour yoruyan kontra an büdü. De kazrik pour Saint-Étienne. Strasbourg s'est incliné face à Angers. 2-0 grâce à des buts de Baouken et Traoré. Traoré, Nice a fait 0-0 face à Rennes et Metz a fait 3-3 face à Lille. Lille a marqué par Botman, Ikoné et Bourakimal contre un doublé de Saint-Onger et un but de Oudol pour Metz. On apprend que c'est une première depuis 16 ans, car aucune équipe ne s'est imposée à domicile lors de la première journée. Il s'agit de la première fois depuis la 38e. C'est seulement la troisième fois que l'élite française vient un week-end de son histoire. Selon Opta, de la 38e journée de la saison 1966-67 n'avait pas réussi non plus au coup, pas plus que la 9e journée de 2004-2005, soit il y a plus de 16 ans. Ah, du côté de la CHA, au début, 9 cas Covid, tandis que c'était le AC Bastia qui avait été touché par la pandémie la semaine dernière. Le nouveau sélectionneur de la Suisse est Mourad Yakin pour succéder à Petkovic, parti entraîner Bordeaux. Il est le frère d'Hakan Yakin, auteur d'un passage plus que furtif en 2003 au PSG. En cyclisme, le Belge Ben Arnaert a remporté l'Arctic Race of Norway devant le Norvégien Odd Christian Eking et le Français Victor Lafay de Cofidis. La dernière étape est revenue à l'Allemand Philippe Wojtyla-Ben. Alexandre Vlasov va quitter Astana pour rejoindre l'écurie allemande Bora. Il était quatrième du Giro. Il s'est engagé jusqu'en 2024 avec Bora et va se concentrer sur les grands tours. Alessandro Valverde sera au départ de la 4e Vuelta. Il sera accompagné de Miguel Ángel López et d'Enric Mas pour Movistar. En tennis, l'Italien Yannick Sinner a remporté le City Open de Washington face à Mackenzie McDonald 7-5 à 6-6-7-5. Il devient le plus jeune vainqueur d'un tournoi ATP 500 depuis la création de la catégorie en 2009. À l'Open du Canada, Caroline Garcia
à partir américaine, Christine Ayou, 7663. Tandis que Annie, tandis que Océane Douda, Annie, elle s'est imposée en 6-5-6-4, tandis que Cara Burel, qui était opposée à la Britannique, Asher Watson, elle s'est imposée aussi en 6-6-4-6-4 pour. Mais quant à Mia Denovich, elle s'est inclinée face à Anastasia Popova, 7-6-6-2. Il lui faudra compter sur un forfait pour intégrer le tableau final en finale de l'Open de Cluj. L'Égyptienne Maya El-Sherif s'est imposé face à Andrea Petkovic, 6-1, 6-1. Merci. Non, Andrea Petkovic remporte son premier titre en s'imposant face à l'Égyptienne Maya El-Sherif, 6-1, 6-1 à l'Open de Cluj. Il s'agit du sixième titre depuis Anvers de 2015. Elle n'avait plus remporté un tournoi. Elle a remporté son septième titre de sa carrière. Daniel Lekonitz a remporté le tournoi de San José contre Daria Kazakina, 6-3, 6-7, 6-1. L'Américaine décroche son deuxième trophée en 2 semaines. Nadal cède sa troisième place au classement ATP au Grec Tsitsipas. Le premier est Djokovic, le deuxième est Medvedev. Nadal est quatrième, le cinquième est Alexander Zverev. Quant à l'Italien Yannick Sinner, il prend la 15e place. Quant au finaliste, il gagne 43 places, il est 3, 64e. Tandis que les jeunes Brooksby de 20 ans, l'Américain, gagne 33 places et intègre le top 100 pour la première fois de sa carrière. Il est 97e. Gaël Monfils sort du top 100 depuis. C'est la première fois depuis plus de 2 ans. Il était présent depuis mars 2009. Il est 24e. Il est le Français le mieux placé devant Hugo Humbert, qui a gagné 2 places, 26e, et une paire de places pour Pierre Garber, qui est 101e, il n'y a plus que 10 Français dans le top 100, tandis que chez les femmes, l'Ukrainienne Elina Svitolina est 5e, elle gagne une place. Au classement WTA, la Canadienne Bianca Andreescu perd 3 places, elle est 8e, et la Roumaine Simona Halep sort du top 10, elle est 13e. Elena Svitolina,
Carolina Pliskova et gagne 17, gagne une place au classement WTA. L'Ukrainienne 5e, la Canadienne Branka Andreescu perd 3 places et désormais 8e quant à Barbora Krejcikova. Elle intègre le top 10, elle est 10e. Tandis que l'Américaine Danielle Collins gagne 8 places, elle se classe 28e. Et l'Allemande Andrea Petkovic fait un bond de 23 places après sa victoire face à l'Égyptienne Maya Richeri. Du côté des Françaises, Kristina Mladenovic gagne 3 places, elle est 57e, Alizé Cornet reste 59e, et Caroline Garcia gagne 5 places, elle est 63e sur la chaîne YouTube.